يبدو أن الحكومة تفطنت أخيراً إلى ضرورة تعديل قانون المحروقات بما يجذب المستثمر الأجنبي، سيما وأن أغلبهم أضحى يفضل الاستثمار في بلدان أخرى غير الجزائر، نظراً لنص القانون الذي ينفر المستثمر الأجنبي أكثر مما يستقطبه. Cette nouvelle loi des hydrocarbures permettra aux investisseurs de revenir à l'Algérie. On doit être compétitif. Si on se regarde pas en face, premièrement, si on regarde pas ce qui se passe autour de nous, dans le monde, si on n'est pas compétitif, personne ne viendra investir son argent en Algérie. Le baril est à 55 dollars, le baril, il faut s'adapter à la nouvelle situation. On a un mot qu'on utilise souvent, c'est la résilience. La résilience, ça veut dire la capacité de s'adapter. Les compagnies, comme je l'ai dit là, et tous mes confrères l'ont souligné, ont fait d'énormes efforts de réduction des coûts. Maintenant, il faut aussi que l'environnement contractuel, fiscal, l'environnement de business, des affaires, change et s'adapte à cette nouvelle situation. مستثمرون وشركاء أجانب يطالبون بعقود أكثر مرونة، سيما وأن البيروقراطية والعراقيل الإدارية أضحت هاجسهم. Je ne vais pas prétendre connaître tous les détails de cette loi, mais ce qu'on entend autour de nous, au Canada, c'est surtout la lourdeur des procédures, la fiscalité, en un mot, la bureaucratie. Je suis venu justement pour connaître comment est la situation et comment la loi va se transformer ou se modifier, parce que nous faisons les mêmes efforts en Grèce actuellement. لم تتضح بعد خطة الحكومة حيال قانون المحروقات، لكن المهتمين بالشأن الاقتصادي يجمعون على ضرورة تكييف نص القانون مع الوضع، خاصة وأن الجزائر أمام حتمية تنويع مصادرها للخروج من الأزمة.